descendre du côté de Calcutta, puis j'ai pris un avion pour Jaipur. Je suis avec mon copain Lucas qui est un peu devant, que j'avais rencontré dans l'entreprise où je travaillais en Australie. Et voilà, donc ça se passe bien, j'ai pas la grosse surprise de l'Inde pour l'instant, pas l'énorme surprise. Mais voilà, bon, on va découvrir ce pays. Et je viens de visiter un temple et c'est la vraie cour des miracles. Alors, on compte donc les chiens, les singes que vous voyez un peu partout, les vaches. Tout à l'heure, il y avait le bélier. La population se prépare à la grosse fête de l'Holi. Holi, C-H-O-L-I. Et c'est pour ça que je suis en Inde, c'est la fête des couleurs. Incroyable, il y a une vache en plein milieu de la route et on demande tout simplement aux personnes qui ont une moto de se déplacer, mais pas du tout à la vache. Alors la vache elle est vraiment sacrée sur ce coup et mais voilà, c'est l'Inde, hein, c'est bah, des vaches un peu partout, notamment en plein milieu, toujours du côté de Jaipur. Et donc je suis dans un palais et la particularité là, je suis carrément sur le toit et c'est magnifique, l'occasion de voir justement toute l'architecture que l'on peut voir.